Bonjour, bienvenue pour la suite des aventures de notre cuvée Amazon. Donc, nous sommes aujourd'hui fin mars et c'est une journée importante puisque c'est la journée de la mise en bouteille de cette fameuse cuvée. Donc, la cuvée a passé 6 mois en cuve inox depuis les vendanges. Donc, nous avons bien sûr transformé le jus en vin blanc tranquille par la première fermentation alcoolique. Et maintenant, donc, la deuxième phase qui est importante, ça va être la prise de mousse après l'embouteillage et donc la champanisation en bouteille. Comme vous pouvez le constater, nous avons choisi de travailler avec une bouteille spéciale, avec une forme très ronde, très féminine, qui va vraiment coller à l'identité de cette cuvée très légère, très élégante et très fine. Et donc pour la mise en bouteille, on va capsuler simplement cette bouteille avec la mixtion, donc le mélange de vin et de sucre, pour que la prise de mousse se fasse ensuite dans la bouteille. Ensuite, donc, ces bouteilles sont mises en palette et on va laisser reposer le vin pour la période de prise de mousse qui va durer dans un premier temps à peu près 1 mois. Et ensuite, nous laisserons le vin vieillir en position sur l'axe, c'est-à-dire en position horizontale dans les palettes, pendant au minimum 4 ans. Suite au prochain épisode pour la dégustation de notre fameuse cuvée de parcelles sélectionnées. À bientôt.